Bonjour, bienvenue. Donc, on est ici avec trois auteurs cinéastes. L'intitulé de la rencontre, c'est « Quelles nouvelles du cinéma algérien ?» L'intitulé, le lien entre les films, c'est de parler du cinéma algérien. Mais pareil, avant tout, je pars d'un film, deux films, de démarches d'auteurs. Parce qu'à un moment ils m'ont parlé, parce qu'à un moment je pense que y a un dialogue qui se fait entre une personne et le monde qui l'entoure, et qu'il nous le partage via son cinéma. C'est aussi l'idée de faire un échange avec vous. J'espère que vous avez vu quelques-uns des films de cette programmation. Et sinon, l'idée, c'est dans une deuxième partie de passer un court métrage. J'ai habité l'absence de foi sur lequel on reviendra pour que ce soit aussi un objet qui puisse nous permettre de discuter ensemble. Donc, J'ai habité l'absence de foi, c'est un film qui a été réalisé dans le cadre d'une formation animée par Habiba Janine, qui est une des intervenantes cet après-midi. Donc, Habiba est réalisatrice et programmatrice de films, a créé un festival qui s'appelle Les Rencontres de Béjaïa au début des années 2000, et est également poète. Jamel Kerkar, le réalisateur de Atlal, que nous avons vu hier soir, et Hassan Ferrani, le réalisateur de Dans ma tête, un rond-point. Je pense que les trois films qu'on montre de vous dans cette programmation, en tout cas celui de Jamel et de Hassan, sont des premiers films. Je pense que L'être à ma sœur, et c'était aussi ton premier film, réalisé en 2006. Oui, voilà, pardon, excuse-moi, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est le premier long-métrage, effectivement. Il y avait eu des courts-métrages auparavant, et que là, on est sur les premiers longs-métrages, en fait. L'idée de cette rencontre, c'est de prolonger la vision de ces films et de revenir un peu sur votre parcours, et notamment ce que vous avez mis en place comme langage cinématographique pour les thématiques abordées. Peut-être pour commencer, on pourrait commencer sur cette question du choix du réel, du choix de vos choix à chacun de faire un film documentaire. Hassan, toi, tu as tourné dans un abattoir dans le cœur d'Alger, et ce que tu disais, c'est que ce que tu voulais ne surtout pas montrer, c'était la viande. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez tous vu le film ou si on a d'entre vous qui l'ont vu. Alors, la question, c'était pourquoi les abattoirs un peu... alors, pour plusieurs raisons. Je pense qu'il n'y a jamais une raison qui nous pousse à faire un film, qu'il soit documentaire ou fiction. Pour ma part, c'était plusieurs envies. D'abord, une envie de cinéma. Moi, j'ai fait une formation. Ma formation, elle est plutôt de ciné-club en Algérie, à Alger, où j'ai fréquenté, animé un ciné-club pendant quelques années. Donc, comme spectateur et puis après comme animateur. Spectateur et ensuite un peu comme animateur, où j'ai appris à... au final, à ne plus faire la distinction entre ce qu'on appelait un film de fiction et un film documentaire, mais plus entre un film et un non-film. Et ensuite, pour revenir aux abattoirs, dans l'envie de cinéma, ensuite, une des envies était le monde ouvrier. J'avais envie de filmer et puis prolonger un travail que j'avais fait quelques années plus tôt avec un ami... qu'on a co-réalisé Afrique Hotel, un film avec des travailleurs africains subsahariens sédentarisés à Alger. Donc c'était aussi dans cette continuité-là.
Et il y a aussi mon rapport à ces abattoirs. Je suis du quartier de Kouba, donc qui est très proche du ruisseau. Je connais le lieu depuis que je suis tout petit, mais je le fréquente pas parce que c'est quand même un monde qui est fermé. Et donc un jour, je décide de pousser les portes de cet endroit et je découvre, j'ai d'abord été frappé par un univers sonore, qui était c'est la première des choses qui m'a plus frappé. Et ensuite, c'était des lumières, des taches de lumière. Et je me suis dit que potentiellement, il y a un film à faire dans cet endroit. Mais pas en faisant des repérages, en disant comme un journaliste, en essayant de repérer les gens avec qui je voulais faire le film, mais plutôt en allant s'immiscer, rentrer à l'intérieur et se mettre en immersion. Donc il se trouve que Jamel était avec moi, c'est lui l'ingénieur du son du film, et on a passé 2 mois et demi à l'intérieur de ces abattoirs. Et on a rencontré des hommes, on a beaucoup discuté. Je ne voulais pas de quelque chose qui soit attendu. On va dans un abattoir pour filmer la viande, les bêtes. Moi, j'aime bien être surpris quand je regarde un film. Donc, je me suis dit que je vais prendre le contre-champ un peu. Ces hommes qui sont là, qui vivent à l'intérieur de ces abattoirs et qui travaillent. Qui sont-ils un peu leur parcours. Et puis, évoquer avec eux des tranches de vie, l'amour, la poésie. Dans un huis clos qui est en plein centre d'Alger et qui était voué à disparaître aussi. Ça, c'était aussi une des plusieurs raisons qui m'a donné envie de faire le film. Et une polémique ou un projet qui est d'ailleurs en cours, c'est la destruction des abattoirs pour en faire l'Assemblée nationale. Je me suis dit, il y a aussi quelque chose de symbolique, construire les nouvelles lois sur un lieu de carnage. Donc tout ça, toute cette marmite-là m'a donné envie d'y aller. Oui, donc c'était vraiment aussi filmer un lieu qui allait disparaître, en fait. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle tu as été plus vers le cinéma du réel plutôt que vers un cinéma plus fictionnel. Enfin, est-ce qu'il y avait une urgence, une obligation pour toi d'aller vers le cinéma documentaire? Ou est-ce que c'est une question que tu t'es posée, ou est-ce qu'il y avait une évidence, en fait? Alors, il y a plein de gens dans le film, quand ils regardent le film, ils me disent « mais c'est écrit, les dialogues, ils sont écrits ». Alors, rien n'est écrit auparavant, mais c'est mis en scène grâce aux outils du documentaire. C'est le réel, c'est les personnes avec qui tu fais le film, c'est les choix de où placer sa caméra, quelle lumière. Donc, il y a des gens qui travaillent avec un scénario préétabli, séquence 1, jamais réussi à écrire à intérieur jour. J'ai essayé à plusieurs reprises, ça ne marchait pas. Donc j'ai toujours penché pour le cinéma du réel, qui est aussi on fabrique avec les éléments qui nous entourent, avec les personnes qu'on filme aussi. Ils sont partie prenante de ce processus de création. Et ça passe par plein de manières de faire. Par exemple, je n'allumais pas ma caméra quand il s'agissait de discuter de leur boulot directement. Et donc, d'une certaine manière, tu montres que tu n'es pas intéressé par ça, que tu es intéressé par autre chose. Ça passe aussi par un procédé très simple qui est de remettre en scène, pour ceux qui ont vu le film Amou, quand il raconte l'histoire de la mouette et de la colonisation et du drapeau, c'est une histoire qu'il m'a racontée 2 jours avant. Et je lui dis, je ne filmais pas à ce moment-là, et je lui dis, il faut qu'on remette ça en scène. Donc on a choisi le camion à un autre moment pour... Faut pas avoir peur de dire mise en scène dans le documentaire aussi. Ouais, et justement, tu parlais tout à l'heure de notions avec lesquelles tu étais arrivé sur place, de poésie, d'amour. Ça, c'était des choses que tu avais en tête avant même de faire tes premiers repérages. C'est comme ça que tu as proposé ton projet à une productrice. Comment tu as amené des notions qui, a priori, n'étaient pas celles auxquelles on penserait en premier pour un tel endroit, pour en faire un documentaire. Le plus important, c'était de savoir ce que je ne voulais pas faire
avant de savoir ce qu'on voulait faire ensuite, c'est au fur et à mesure des rencontres, quand on a rencontré Youssef et Hossein, j'ai vu que l'amour, les copines, c'était quelque chose qui revenait souvent dans leurs discussions. Donc j'avais là un couple de cinéma qui était à côté de moi et eux aussi étaient en demande presque de raconter ça. Pour Ami Ali, moi je ne savais pas quand je suis rentré dans les abattoirs que c'était quelqu'un qui connaissait la vieille poésie algérienne avant même la colonisation. Mais c'est en creusant, c'est en discutant avec lui que j'ai découvert que c'était quelqu'un qui allait noter les poèmes des troubadours en Algérie. Mais quand on a rencontré Ami Ali la première fois, il fallait casser toute le rapport que peuvent avoir les gens avec la télévision. C'est quelque chose qui a pollué tout l'espace partout, hein, pas qu'en Algérie. Mais tout de suite, on pense te donner ce que tu viens chercher. Donc, il y a tout un travail pour aussi casser ce rapport qu'on peut avoir à la télévision. Donc, Ami Ali, tout de suite, la première fois quand on est allé le voir, il a vu une caméra et il s'est mis à chialer parce que voilà, c'est une caméra, peut-être que ça va m'ouvrir des portes pour obtenir tel ou... Mais en creusant avec lui, j'ai vu que bah, ce monsieur bah, regorgeait de... Il était un patrimoine à lui tout seul. Voilà, donc ça passe beaucoup par le temps, qui est une question importante dans le documentaire, en tout cas celui que j'essaie de faire. On ne peut pas faire un film en une semaine dans un lieu pareil. 2 mois et demi, ça reste court par rapport à tout ce qu'on pouvait faire à l'intérieur, mais il y a aussi un moment où on doit s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Oui, tu parles de surprise, tu parles de temps. Donc toi, tu as passé 2 ans et demi, 2 mois et demi dans ces abattoirs. Et cette question que tu as peut-être retrouvé sur d'autres courts-métrages que tu as faits, de la représentation de l'autre, en fait, de l'image qu'il a envie de faire passer à une caméra. Et toi, ce que tu mets comme dispositif en place pour contrer cette autocensure de ton personnage, c'est vraiment de sympathiser, de passer du temps, de discuter. Et est-ce que tu expliques ça à tes personnages ? Alors oui, c'est aussi beaucoup de temps de discussion sans filmer et se livrer. C'est-à-dire, un film, c'est aussi le réalisateur qui se livre. On n'obtient pas la chose bah, si on se raconte de cette manière ou de cette manière. Donc, et c'est aussi pour cette raison que c'était important pour moi qu'il y ait un ami et aussi quelqu'un qui apporte une valeur ajoutée humaine. Je ne pouvais pas me permettre de partir avec un technicien qui... y a de bons techniciens, mais c'est... Et avec des horaires, nous on passait toute la journée, mais il arrivait qu'on filmait pas du tout. On reviendra sur ces conditions de tournage, mais peut-être sur ces questions d'intention, Jamel, puisqu'on vient de parler de toi. Toi, t'es venu à Lal avec une intention très forte, parce que tu filmes des fantômes, presque. Voilà, moi c'est un film qui me fait beaucoup penser au récit d'Ellis Island, Georges Perec et Robert Bobert, qui filment des traces et la mémoire des lieux d'Ellis Island, donc sur une thématique très différente, mais qui cherche, comme toi tu cherches sur place, mémoire des lieux. Comment tu as mis en place ton dispositif pour parler d'un sujet qui, a priori, relève de l'impalpable ? Bonjour. Le point de départ du film, c'est une intuition. Je me dis qu'il y a quelque chose dans une région qui s'appelle Amitidja, qui est au sud d'Alger, qui est une région agricole et où se trouvent plusieurs strates historiques de l'Algérie, donc colonialisme, utopie socialiste, et puis guerre civile, et puis aussi la reconstruction par la suite, la réparation. Donc je me dis, il y a quelque chose dans cette région qui m'intéresse énormément, et je commence à déambuler autour, et je tombe sur ce village. Et donc voilà, le désir vraiment cinématographique avant tout,
vient d'une rencontre avec ce lieu. Et en voyant le village, parce que je connaissais quasiment personne, le film est parti d'une intuition et puis d'un désir et une nécessité de poser sa caméra tout de suite sans attendre parce que voilà, il y avait déjà quelque chose qui était là et j'avais cette sensation un peu que le langage était vraiment une parole et que l'image et le son associés pouvaient dire des choses et faire sentir des choses à des spectateurs. Donc voilà, le film naît de cette intuition, d'un ensemble ou un corpus comme ça de sensations et d'idées et tout. Et moi, ce qui m'avait le plus intéressé, c'est que je me disais pas que je vais faire un film. Ça m'intéressait absolument pas de dire voilà, je vais faire un film sur les années 90 ou quelque chose comme ça, parce que c'est d'une complexité diabolique et j'ai pas envie j'avais aucun désir autour de ça. Mais ce qui m'avait le plus frappé, c'est que le lieu était comme s'il était éradié par un désastre. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. Et voilà, c'est-à-dire le point de départ aussi, c'est que voilà, quand je vois un film iranien ou un film chilien ou un film sud-africain, je suis pas de cette région. Peut-être que je suis pas forcément au courant de toute la complexité historique et sociologique du lieu, mais il y a quelque chose qui m'emporte, qui arrive à moi et qui me touche et qui me travaille. J'avais envie, il y a tout d'abord un désir de cinéma autour d'un lieu, de dire que voilà, avec des images et des sons, on peut rassembler des signes et donner à voir et à écouter des choses. Et donc voilà, le point de départ, c'est ça. Et puis après, moi, j'avais écrit quelques trucs comme ça qui servaient un peu de table ou de carte de navigation. Et donc je savais approximativement où je voulais aller, mais après je me permettais aussi beaucoup de dériver. Et au fur et à mesure, un peu comme le disait Hassan, c'est que voilà, on se pose avec les gens, on discute, j'explique mon film, mes envies, mes désirs et pourquoi je veux faire ce film. Et il y a des gens avec qui le courant humain tout d'abord est passé et puis par la suite. Quelque chose a commencé à émerger. Et à ce moment-là, le film dérive un peu, glisse du silence vers la parole, vers des rencontres, des histoires, des petites histoires, pas l'histoire avec un grand H, mais des histoires, les trajectoires des personnes qui ont vécu sur le lieu. Et puis, il y a énormément de choses qui n'étaient pas du tout écrites ou anticipées. Et donc, par exemple, l'histoire des générations, de trois générations d'hommes n'était pas du tout pensée au départ, mais je me cognais à ça. Et puis... Et c'est une notion qui m'a beaucoup intéressé avant même de faire des films, c'est de dire que voilà, que le réel est une jonction entre la réalité qui est insaisissable, qui se déroule tout le temps et qu'un cadre découpe quelque chose dedans et fait appel à l'imaginaire. Donc le réel, c'est aussi une articulation entre un imaginaire qui est le mien, qui est aussi celui des personnages et des habitants du lieu, et leur vécu, ce qu'ils portent en eux. Et ça me semblait hyper important aussi de faire immerger ça un peu. On reviendra sur ces notions-là. Je voudrais quand même terminer sur cette question de l'intention et du dispositif choisi, parce que Kabiba, tu as fait un film « Lettre à ma sœur » qui revient sur l'histoire de ta sœur. Ça pourrait être un film qui relève vraiment de l'intime, d'un portrait de ta sœur, et tu décides d'aller sur autre chose. Tu ouvres beaucoup plus au présent dans lequel tu réalises ce film. Voilà, donc je me demandais à quel moment comment ça a été pensé? Est-ce que c'était cette idée-là de justement parler du présent qui t'a donné envie de réaliser ce film? Ou est-ce que c'est en voulant parler de ta sœur, tu t'es dit je veux aussi parler de ce que c'est que de vivre aujourd'hui avec ce poids du passé et cette violence vécue? Donc c'est vraiment, voilà, comment tu as choisi de sortir de l'intime en fait? Parce que moi, il me semble... Bonsoir tout le monde. Moi, il me semble qu'on est encore dans ce présent. C'est-à-dire, pour moi, il ne s'agit pas du tout du passé. Mmh.
encore jusqu'à aujourd'hui. Donc on est encore dans ce présent et je pense qu'un film interroge d'abord toujours le présent, même s'il peut sembler parfois qu'il parle de choses qui sont déjà passées, mais elles ne sont pas vraiment passées puisqu'elles sont difficiles à digérer. D'abord, j'ai appris à faire du cinéma pour faire ce film. Donc mon point de départ, mon premier désir de cinéma, c'est quand même... avant, j'étais plutôt programmatrice, j'animais beaucoup de rencontres de cinéma en Algérie quand j'étais plus jeune. J'étais cinéphile et j'animais aussi des ciné-clubs, donc j'étais plus... voilà, je venais plus de l'animation, etc., et de l'écriture. Et donc, à un moment donné, je me dis, il y a une guerre d'images qui se passe par rapport à ce qui nous arrive en Algérie comme guerre. Une guerre innommable, multiforme, guerre civile, guerre terroriste, enfin, tout ce qu'on peut donner comme nom à ce qui s'est passé. Des gens qui disent décennies noires et des gens qui disent plein de choses. Moi, j'aime bien la phrase d'un ami que je répète tout le temps parce que je la trouve saisissable par rapport à ce qui se passe en Algérie. C'est qu'on appelait ça décennies noires parce qu'on ne veut pas y voir. Et celui qui a dit cette phrase, c'est Nabil Fares, qui est écrivain, psychanalyste et poète, et je trouve ça très juste. Et moi, j'ai voulu y voir, justement. Et à partir du moment où j'ai voulu y voir, je me suis dit, il s'agit plutôt de fabriquer des images face à toutes les images qui sont fabriquées sur nous et qui commencent à ne plus du tout nous représenter, puisqu'il y avait une forme de représentation de ce qui se passait en Algérie à l'étranger qui était terrible, mais même une représentation de nous-mêmes par rapport à ce qui se passe, parce qu'à un moment donné, on ingère collectivement un discours dominant. Et ce discours dominant était autour d'une dichotomie entre les islamistes d'un côté et l'armée de l'autre, qui se faisait la guerre, alors qu'il y avait une société civile, une société forte, puissante, qui n'a jamais arrêté de militer, de résister, de produire du sens. Et moi, j'avais envie, en plus de parler de ma sœur, qui était quand même le point de départ de mon désir de parole, d'apporter une proposition pour dire qu'il existe dans cette société des gens qui réfléchissent quotidiennement, qui construisent du sens, qui résistent, qui luttent, qui se bagarrent, qui se battent. Et qui se battent contre tout, qui se battent contre l'islamisme, qui se battent contre le terrorisme, et qui se battent contre un pouvoir despotique et qui nous écrase. Et donc tout ça, je voulais le mettre en image, et je voulais le mettre en image dans un moment très difficile, puisque quand j'ai commencé à faire mes repérages pour faire mon film, et qui n'était pas encore écrit, qui était juste au début, c'était vraiment embryonnaire. J'ai été à la rencontre de toutes les personnes que j'avais pas revues depuis 8-9 ans, qui étaient des gens avec qui on avait milité avec ma sœur, qui étaient des gens, des amis, des proches, la famille, etc., etc. Et on était dans une situation de sidération. C'est-à-dire que, en fait, on était 8 ans après, 9 ans après, 10 ans après, les gens n'étaient pas, avaient encore la gueule de bois, ne se rendaient pas compte de ce qui était arrivé. Il y avait une déflagration dans la société algérienne qui a produit des centaines de morts et de blessés, mais les blessés de l'âme étaient là, errant dans les rues, errant dans leur vie. Et j'ai rencontré des militantes qui n'étaient pas sorties de chez elles depuis 3 ans, des militants qui étaient isolés, etc. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à construire mon film, en me disant, oui, je passe un an à faire ce travail de parole, à laisser émerger une certaine parole, à laisser émerger une certaine pensée. Et c'est après que j'ai écrit mon film. C'est-à-dire après, effectivement, le dispositif m'est apparu comme quelque chose d'évident, c'est-à-dire... étant militante féministe et de gauche, j'avais aussi envie de rendre quelque chose de ce combat collectif qui se passait en Algérie, c'est-à-dire en partant de l'intime, parce que pour moi l'intime est important, c'est-à-dire que, et en prenant la parole avec un je, c'est-à-dire que être vraiment assumé totalement et pleinement ma place à l'intérieur de ce film, et aussi donner la possibilité plus large à d'autres personnes de parler aussi d'elles-mêmes et de prendre la parole par rapport à ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai construit ce film. Après, comme voilà, j'écris de la poésie,
J'aime beaucoup tout ce qui est roman et romanesque. Et voilà, j'ai un amour pour la littérature. Et puis l'Algérie, c'est un pays de poésie aussi. C'est un pays où la poésie traverse quotidiennement tous les lieux. On le voit dans le film de Hassan, on le voit dans le film de Jamel. C'est, la poésie est là, elle est là quotidiennement. Elle est suspendue dans l'air. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, voilà, je refais le chemin pour transporter le corps de ma sœur entre Sissi Ouzou et Béjaïa pour le jour de l'enterrement. Et c'est dans ce voyage-là que je parle à ma sœur et je lui donne des nouvelles de l'Algérie. Donc, le dispositif s'est installé comme ça, parce que je me suis dit, c'est la meilleure façon de poser des choses et puis de ne pas être dans cette distance justement de cinématographique qui est proche à, enfin, quand on voit beaucoup dans beaucoup de films où il y a une sorte comme ça où l'auteur se met en retrait par rapport à ce qui se passe autour de lui et ce que j'ai aimé justement dans les deux films de Jamel et de Hassan, c'est qu'il n'y a pas de cette distance, il y a cette implication personnelle totale et je pense que cette façon de prendre totalement la responsabilité de faire des images et de construire de l'image par rapport à notre société, qui ne demande que ça, mais qui demande aussi un énorme travail pour le faire. Voilà, c'était ça, c'était à peu près, c'est un peu la trame de ma démarche pour fabriquer ce film. Tu parlais de guerre d'image et de ton besoin de donner ton point de vue. Et également que tu étais à ce moment-là aussi programmatrice. Est-ce que pour toi, tu t'inscrivais aussi dans une démarche de documentaire d'auteur que tu connaissais, ou est-ce que c'était vraiment parce que tu voulais faire du cinéma que tu as découvert le cinéma documentaire? Non, mais je connais. Enfin, ça fait depuis l'âge de 16 ans, j'ai pas arrêté de me former à regarder. En Algérie, oui. C'est-à-dire en Algérie, il y avait la possibilité à l'époque de créer des ciné-clubs. Enfin, en tout cas, nous on l'a fait, même si c'était même parfois envers et contre tout. On a monté des ciné-clubs à Béjaïa quand j'étais adolescente, avec mes sœurs, avec des amis. On regardait des films, on les analysait, on réfléchissait, on achetait des livres autour du cinéma, on s'instruisait autour de ça. Donc il y avait une image, une représentation de la société algérienne par des auteurs, par des documentaristes. Évidemment, il y en avait pas mal. D'autant plus que voilà, on avait un lien avec la Cinémathèque algérienne, à qui on demandait de nous prêter les films du patrimoine, des films anciens. Et bien sûr, on regardait des films documentaires, on les commentait. Oui, il y avait une forte culture cinématographique. Ouais, ma question aussi, c'est quels auteurs en fait ont vraiment. Pour ne citer que ceux-là, par exemple, je citerai Ahmed Lalem, qui est un documentariste et cinéaste extraordinaire, qui a fait des films importants, qui a fait un film qui est très beau, qu'il a tourné en 67, qui s'appelle Elle, sur les femmes qui d'un seul coup émergent dans la société algérienne et qui prennent une place, qui sont militantes, qui ont une parole politique très forte. Il y a Kamel Dahan qui est là dans la salle, qui n'est plus dans la salle, mais qui était là. Il y a Assia Djebbar qui a fait deux films extraordinaires, deux documentaires absolument fabuleux qui comptent. Il y a celui que je ne cesserai jamais de citer, Azdin Meddour, qui a fait deux films documentaire absolument fabuleux. Il en a fait plus que deux parce qu'il a fait une série télévisuelle pour moi qui est très cinématographique, où il interroge les archives de la guerre de libération. Mais il a fait un film magnifique qui s'appelle « Ô combien je vous aime », qui est aussi une façon de réinterroger l'image qu'on fabrique de nous-mêmes, qui sont fabriquées dans le monde, et comment nous, on est quand même en déficit de fabrication d'images sur nous-mêmes, et il utilise des images de l'actualité française pour raconter qui nous sommes aujourd'hui, enfin, en tout cas dans les années 80, et c'est un film qui reste très, vraiment d'actualité. Et puis bon, il y en a plein d'autres, et il y a aussi le cinéma international, évidemment, hein. On était complètement, on regardait les films de Chris Marker, les films de... Je veux dire, voilà, il y avait quand même un milieu cinématographique, même s'il n'était pas très très large, qui existait, qui était fort, puissant. Et... Voilà. Et justement, quand on parle des affinités artistiques, en voyant, un choc pour moi au début des années 2000, c'est le cinéma de Tariq Tekia, qui a remis un peu le cinéma algérien sur
une carte du cinéma. Alors, bien sûr qu'il existait encore, mais c'est vrai qu'il existait déjà, mais c'est vrai qu'on y avait peu accès. Et donc, Tariq Tekia nous a ouvert à ce territoire. Et c'est aussi un auteur auquel vous faites beaucoup référence, Hassan Ferhani, Jamel Karkar, et puis d'autres, Dania Raymond, quand je lui ai parlé de ses films, elle m'a tout de suite parlé de Tariq Tekia comme quelqu'un qui lui a donné beaucoup de liberté. Tariq Tekia, c'est un réalisateur qui a notamment dans Rome plutôt que vous, dont Jamel parlait hier, qui parle d'une jeunesse algérienne au début des années 2000 qui rêve d'exil et qui habite un endroit inhabitable. En tout cas, c'est une des lignes de son cinéma. Mais c'est un cinéma de fiction, très inspiré du réel, mais c'est un cinéma de fiction qui fait vraiment un lien avec vous. Et je voulais savoir dans quelle mesure vous vous inscriviez dans ses pas et dans sa recherche. Alors, dans quelle mesure il vous a inspiré, en fait? Alors, s'inscrire peut-être pas exactement, mais il y a des cinéastes, en tout cas début des années 2000, quand on animait ce ciné-club à Alger, on essayait de s'intéresser aussi à la création qui se passait autour. Donc, il y a en documentaire et puis en cinéma du réel, on connaissait Habiba, Malik Ben Smaïl, quelques réalisateurs qui... Nous, on n'avait pas eu vraiment accès à toute la partie documentaire dans les années 70-80, plus fiction. On arrivait à voir les films, mais c'était beaucoup plus compliqué pour le documentaire. Donc, il y a eu comme un moment comme ça où on n'en voyait pas trop. Il y avait Jamila Sahraoui aussi. On arrivait à voir ces documentaires sur Arte qui passaient. Et puis, c'était en 2005 ou 2004, 2005, oui, on entend parler d'un jeune qui est en train de tourner avec une Panasonic DV, un film. Et pour nous, c'était comme des bruits de couloir. Et puis, il travaillait avec un photographe algérien très connu qui s'appelle Nassan Bachran, qui a photographié les années 70, 80 et 90 d'une manière assez remarquable. Et puis arrive ce film qu'on découvre tous à Pejaïa. Donc c'était aux rencontres cinématographiques. Et ce qui a été, en fait, qui avait presque fait dichotomie. Il y a la moitié de la salle qui est restée. Et puis explosion totale. Et puis d'autres qui, parmi moi aussi, j'étais scotché. C'était un moment où on s'est dit, waouh, il est possible de faire de la fiction et de montrer le contre-champ de cette ville d'Alger qui soit autre que la baie d'Alger, montrer l'arrière-ville d'Alger, puis avec une histoire très simple, mais en même temps très complexe. Et c'était une équipe de 3 personnes. Et ils étaient 3-4, je crois, maximum. Et ils ont réussi à faire ce film. Donc oui, pour 3-4, excuse-moi, l'équipe technique L'équipe technique, ils étaient 4, ouais. Ils étaient 4, il y avait 2 comédiens. Et le film a été sélectionné à Venise. Ensuite, Tariq a eu une carrière internationale. Il a fait d'autres films derrière. Mais oui, à ce moment-là, nous, on commençait tout juste à faire des courts-métrages. Et puis arrive ce film-là, il y a eu comme un avant et un après Rome plutôt que vous, en tout cas dans la pratique, et ça a suscité énormément de débats de comment on pouvait faire du cinéma, réinventer une manière de faire du cinéma aujourd'hui qui n'était pas... qui était différente de celle de précédentes générations où il fallait attendre 5 ans pour avoir des subventions, avoir le travelling de l'Akhdar Hamina. Ouais, mais c'est ça justement, et ça c'est aussi la liberté s'est posée là sur les conditions de production et de tournage. Et vous, sur vos films, vous êtes à chaque fois des équipes très légères, c'est le caméraman et le preneur de son, en fait. Ouais. Mais pour Rome plutôt que vous,
Moi, quand je l'avais vu la première fois, déjà, j'avais entendu parler du titre. Et tout de suite, ça a tilté dans ma tête parce que ça c'est, en fait, c'est quelque chose qui est très commun chez les jeunes, où c'est des chants de stade scandés par les jeunes. Et du coup, quand j'ai vu le film, moi, je l'ai reçu vraiment comme un manifeste, quoi. Ça m'avait énormément, beaucoup touché. Et au-delà de ça, il y a ce qui m'avait aussi beaucoup travaillé, c'est l'idée que les films, il faut les faire, quoi. Mm-hmm. Pas essayer de rêver ou de d'écrire un film à 1 million d'euros ou de partir, voilà, de ce qu'il y a autour de soi et d'essayer de construire quelque chose qui soit ancré dans ça. Et vraiment, pour moi, il y a eu deux films qui m'ont marqué, qui sont approximatifs, qui viennent un après l'autre. Le premier, c'est le film de la Bazaïma Chameur qui s'appelle Blade Number One. Et qui, pour la première fois, on voit une Algérie post-guerre civile et qui est en reconstruction et tout. Et puis il y a cette étrangeté hybride entre documentaire et fiction. Et c'est, en même temps, c'est l'Algérie que je vois aussi, mais que je n'ai jamais vu représentée auparavant, quoi. Et puis il y a le film de Tahir Teguia qui m'avait vraiment. Et ça m'a. Moi, je le dis sans aucun. En voyant le film, je me suis dit, moi aussi, je peux faire des films. C'est ça, mais très bien. Parce que, enfin voilà, tu dis, les films, il faut les faire. Donc, c'est aussi. Voilà, les conditions de production, ce qui est possible de faire avec une équipe de tournage légère. Donc, toi, à quel moment il y a eu. Un producteur, enfin, en l'occurrence une productrice, de l'argent, ou est-ce qu'il n'y a pas eu d'argent? Dans quelles conditions tu as commencé ton film? Quelles ont été les premières étapes? D'abord, toi tout seul, toi et ton... Ben, ton... En fait, dès le départ, dès qu'il y a eu le désir du film, il y a un producteur en Algérie qui s'appelle Jabel Debzi et qui venait d'ouvrir une boîte de production qui s'appelle Prolégomen. Et en même temps, il y a Nariman Marie qui a aussi produit le film de Hassan, qui m'avait filé sa caméra et son matériel son, par sympathie, parce qu'elle se disait que voilà, il faut faire des films et qu'il faut. Et du coup, voilà, le film commence avec ces deux producteurs associés, mais il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas d'argent, il y avait juste l'idée qu'on allait faire un film et poser sa caméra, prendre le temps de faire, et puis voir ce que ça allait donner. Donc toi, tout seul au départ, Tout départ, oui. Sur la première période de tournage, sur la deuxième période, donc j'ai réparti le tournage. Donc voilà, j'ai tourné une première période qui est approximativement la première partie du film, qui ouvre le film. Les images qu'on voit dans la première partie du film. Oui, quasiment les 20 premières minutes du film. Et donc voilà, je reviens, je revois mes images, j'écoute... Et à partir de là, il y a une deuxième construction qui est beaucoup plus concrète, c'est-à-dire à partir des images et à partir de ce que j'ai, un dossier. Et là, on a commencé un peu à candidater pour des financements. Mais en même temps, c'est un film qui est fait avec très, 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 très peu de moyens, c'est-à-dire le budget du film, et il ne financerait pas un court-métrage en France, quoi. Donc voilà, et par la suite, quand le tournage a été bouclé et Nariman Marie avait vu un premier montage, moi j'avais tout de suite enchaîné sur le montage, j'avais construit un ours comme ça de 1h30 ou quelque chose comme ça. T'avais combien d'images? T'avais combien d'heures de 80, entre 90 et 100 heures. Et moi j'avais fait une espèce d'ours ou de structure narrative, et dès qu'elle a vu le film, elle m'a dit, il faut pas attendre là, il faut... continuer. Donc elle m'a mis en contact tout de suite avec un monteur qu'elle connaît plutôt bien. Là, il a vu, on a eu un échange et tout, et on a construit, on a continué le film sans avoir à penser à des enjeux financiers et tout. Et puis à un moment donné, elle a mis aussi elle a mis aussi de l'argent, de son propre argent, pour financer des choses, quoi. Et ça donc voilà, il y a eu à un moment donné des gens qui ont cru et qui ont dit que ce film est important, peu importe, donc on va le faire et aller au bout, quoi. Oui, tu dis que ça ne financerait pas un court-métrage en France.
Est-ce que toi, tu as quand même été payé ou est-ce que ton ingé son, ton monteur, voilà, les équipes techniques ont... La personne qui était avec moi, qui est un ami, qui n'avait jamais fait de cinéma, mais qui est photographe et musicien, moi, ça m'avait tout de suite intéressé d'être avec quelqu'un qui soit proche, qui croit dans le projet et qui a aussi une sensibilité humaine et sensitive. Donc, il a un œil avisé et puis il a une écoute. Donc, voilà, on pouvait... Ce qui m'intéressait, c'est d'être avec quelqu'un qui soit intelligent et sensible, quoi. Pas... Et donc, voilà, cette personne a été payée. Moi, j'ai reçu mon petit salaire. Enfin, on a tous reçu des petites sommes, mais en fait, c'est pas les salaires qu'on peut imaginer... en Europe, donc oui, à ce moment-là, c'était moi personnellement, c'était pas du tout un enjeu qui me tenait tant à cœur, c'est-à-dire ce qui comptait à ce moment-là, c'était de faire le film et d'aller au bout de la chose, quoi. Ouais. Et formellement et c'est-à-dire sur le contenu et sur ce qu'il y avait à dire. Ouais. Hassan, peut-être. Alors rapidement pour mon expérience personnelle, les trois premiers courts métrages, c'est plus des films qui sont autoproduits ou faits dans le cadre d'ateliers. Et ensuite, dans ma tête à un rond-point, j'ai suivi le processus standard. J'avais trouvé une boîte de production à Paris, bien avec des bureaux parisiens. Donc j'avais déposé le dossier, mais il dormait depuis un an et demi sous une pile de. T'avais déposé le dossier. Une fois tes repérages faits. J'avais rencontré une productrice, donc je lui avais parlé. J'ai dit, il n'y a pas vraiment de repérage pour ce film. Donc j'avais l'idée, mais il fallait que j'embarque, que je rentre directement. Et donc cette productrice me demandait de réécrire. Mais je lui dis, j'ai écrit quoi ? Qu'est-ce que je vais écrire ? Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Un mot, je ne vais pas pouvoir l'imaginer. Donc à ce moment-là, j'avais compris... Mais j'attendais. Et puis ensuite, je rencontre Nariman, notre productrice, dans un festival où j'allais avec mon court-métrage. Elle venait avec un long-métrage. Elle cherchait à produire des auteurs algériens. Je lui dis, j'ai un projet qui est là et qui attend. Donc elle me pose cette question. Elle me dit, mais t'attends quoi? Et à ce moment-là, je lui dis, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'attends pour y aller? Je lui dis, t'as besoin de quoi? Je lui dis, d'une caméra, que l'ingé son soit payé, des billets d'avion, des choses pratiques. Et donc, elle a un peu mis d'argent de sa caisse. Et puis, on est parti. On a commencé à tourner tout de suite. Et ensuite, tout le film, c'est financé en post-production. Donc, on faisait des montages et qu'on envoyait à des aides qui sont très différentes. D'ailleurs, il y a le Liban, il y a le Qatar... À chaque fois, c'est des petites sommes. Il y a la Hollande, il y a la France, il y a l'Algérie. Donc, on a réussi à faire un... Mais tout le film a été... voilà. C'est ce qui nous a permis de faire une post-production dans de très, très bonnes conditions aussi. Et que tout le monde soit payé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des interventions à propos de ce qui a été dit, notamment sur l'intention, les conditions de tournage de dans ma tête un rond-point et Atlal. Petite question très anecdotique sur les slogans dans les matchs de foot auxquels tu as fait référence là, parce que c'est pas si bénin, enfin voilà, j'ai vu des films où ça prenait de l'importance ce qui se passait dans les stades de foot en Algérie. À un moment, vous avez parlé de slogans dans les matchs de foot. Non, j'ai entendu ça. Ouais. Et quel lien ça avait, quelle importance ça a, en fait, dans la société, ce qui se passe dans ces matchs et avec le... Parce que je sais que c'est repris dans d'autres films. Alors, je vais essayer de répondre. Il y a un très bon film, d'ailleurs, qui s'appelle Babor Casanova.
qui est fait avec des supporters d'un club de foot à Alger qui s'appelle le Mouloudia et qui est très bien. Donc il suit ses supporters. Et comme Habib Allah a dit tout à l'heure, il y a une poésie, c'est une société de l'oralité. Pratiquement chaque match, les supporters de différents clubs inventent de nouvelles chansons et qui sont aussi très en phase avec ce qui se passe politiquement et dans la société. Qui sont comme des documentaires, en fait. Voilà. Donc, forcément, c'est très inspirant. Et en tout cas, je vous conseille ce film qui s'appelle Babor Casano. C'est le premier court-métrage d'un jeune cinéaste qui s'appelle Karim Seyed, qui vient de faire un long métrage dernièrement. En fait, moi, je voulais dire juste un petit truc sur les deux films de Hassan et Jamal. Je trouve que c'est des films qui continuent à écrire un peu tout ce mouvement cinématographique qui existe depuis début 2000 en Algérie, où il y a des écritures très libres, des formes cinématographiques très libres, et vraiment un désir de cinéma fort qui est vraiment... Quand j'ai vu le film de Hassan, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que d'un seul coup, j'ai pris conscience de quelque chose dans ce film. C'est que Hassan fait du cinéma, c'est-à-dire c'est son métier. Et quand il va vers cet endroit qui s'appelle les abattoirs d'Alger, il y va avec justement cette façon de vouloir en faire sa profession et de le faire réellement. Et la façon dont les gens l'ont regardé à l'intérieur de ce tournage et dans ce film, je trouve que c'est hyper fort, c'est qu'ils le voient comme quelqu'un qui travaille. Et donc il y a d'un seul coup... il y a une relation de travail à l'intérieur de ce film-là. C'est-à-dire, on n'est plus dans quelque chose où on considère le cinéma comme quelque chose qui est en dehors de la société. C'est quelque chose qui carrément intègre le travail cinématographique comme quelque chose de possible dans la société algérienne. Et je trouve qu'il est symptomatique de ça. Et franchement, je trouve ça très fort. Et voilà, je voulais quand même te le dire parce que je trouve que c'est un des films qui inscrit justement ce métier dans quelque chose où on est en train de construire des images sur nous et on est en train de raconter quelque chose de l'intérieur. Écoute, merci. Et je veux juste rebondir sur ce que tu dis. Il y a un moment pendant le tournage avec Jamal, on arrivait et les ouvriers nous demandaient ce qu'on avait filmé la veille. Et nous, on leur demandait combien de carcasses ils ont eu à travailler. Il y a un rapport, une relation qui s'est instaurée d'artisan à artisan. Et à ce moment-là, on s'est dit, là, on est en train de toucher à quelque chose. Voilà. Ouais. Je trouve ça très fort. Et je suis désolée. Je vais quand même le dire parce qu'on est là et on est là aussi pour parler de ces choses-là. Dans le film de j'ai découvert hier le film de Jamal Karkar. Je trouve bien sûr extrêmement touchant, bouleversant, d'autant plus que voilà, cette tragédie a traversé les corps et les âmes et les territoires de l'Algérie. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans l'écriture de ton film, il y a quelque chose au départ, quand tu as inscrit justement cette VHS du départ et ensuite ce moment où tu passes très longtemps du temps à regarder ce territoire sans le film, sans parole, juste tu vois, cette intention de regard. Je trouve que c'est aussi, quelque part, tu nous proposes de nous rendre compte de la sidération de toute la société algérienne face à cette tragédie, c'est-à-dire ne pas savoir quoi en faire et ne pas savoir comment en parler, ne pas savoir comment la nommer. Et je trouve que tout ce début du film est très intéressant dans ce sens, c'est-à-dire ça inscrit une histoire aussi de notre rapport à l'image, c'est-à-dire voir ces territoires complètement désertiques, complètement... bouleversé, complètement explosé, sans savoir quoi en faire. Toutes ces carcasses de maisons, toutes ces villes, ces villages défraîchis, etc. Et ça fait partie de notre géographie et de notre territoire, sans savoir exactement quoi en faire. Mais toi, tu prends le temps de regarder. Et ça, je trouve que c'est une très belle proposition. Et ensuite, quand la parole arrive, elle arrive en bribes, comme quelque chose de nécessaire, parce que
J'avais l'impression que ces gens-là ont été extrêmement généreux avec toi, ouais. Comme tu, je pense que tu as été généreux avec eux. Et cette, ce rapport de générosité, de rapport avec la société comme elle est aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau dans le cinéma algérien. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose de nouveau dans le sens où on essaye d'interroger cette société comme elle est aujourd'hui, même comme, pas comme on voudrait qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte comme ça de proximité avec le réel qui est très fort, puissant. Et c'est des vraies propositions parce que ça nous permet de continuer à réfléchir sur ce que nous sommes. Parce que je, quand je dis ce que nous sommes, c'est dans le sens où notre image de, l'image de nous-mêmes est complètement brouillée parce qu'il y a eu 130 ans de colonisation, parce qu'il y a eu confiscation de notre histoire, parce que notre histoire est mal écrite, elle est écrite avec beaucoup de mensonges, parce que, etc., etc. Donc il y a toujours dans notre histoire une reconquête de nous-mêmes, une reconquête de notre imaginaire, on essaie tout le temps de réhabiter notre imaginaire. Et ça, on le voit très fort dans ton film, c'est vraiment très puissant. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que, je t'en ai parlé ce matin, mais je vais le redire parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Cette séquence où c'est le moment un peu pour moi de basculement dans le film, où c'est très fort quand il commence à fermer ce terrain avec des cadenas. Ce personnage qui est avec une brouette en train de refermer, mais c'est un plan qui dure très 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 longtemps, une durée incroyable. Et à un moment, quand il termine, je me suis dit, il faut absolument qu'à ce moment-là, ce personnage regarde Jamel. Et je me suis dit, s'il ne le regarde pas, ça veut dire qu'il y a un problème dans ce film. Et quand le personnage regarde Jamel, j'ai eu une sorte de soulagement. C'est comme si, oui, une reconnaissance de toi. Voilà, tu vois, en tant que cinéaste qui est là pour faire ce travail. Ça, je trouve ça très fort, voilà. Ouais. Et en fait, je dis ça parce qu'on en est là, au fait. On en est dans ce... pour l'instant, l'Algérie, il y a un gros problème autour du cinéma parce qu'il y a du cinéma, il y a des gens qui font du cinéma, mais il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'on cherche de la reconnaissance, pas du tout. Hein. Ce n'est pas ça la question. C'est comment, aujourd'hui, ces propositions cinématographiques sont en train de tourner, de vraiment de construire une nouvelle page. Voilà. Oui, bien sûr. On peut parler de littérature, effectivement. Là, je parle de cinéma. J'espère que je ne vais pas empiéter sur les prochaines questions de Pauline, mais ça rejoint aussi ce que vous expliquiez au moment où, justement, vous avez pu voir plein de films dans les ciné-clubs, certains que vous avez montés vous-même. Et du coup, moi, j'ai vu un film qui est aussi dans la programmation, qui est Bla Cinéma. Et il y a une petite fille, en fait, qui explique ce qu'elle peut aller voir au cinéma. Et c'est pour la millième fois Titanic ou des blockbusters égyptiens. Donc la question, c'était un peu comment, justement, vous permettez aux Algériens d'avoir une image d'eux, mais comment ils peuvent voir les films, comment vos films sont vus en Algérie. Les trois peuvent répondre. Voilà, exact. Le micro, bien sûr. Bah, en fait, la question de montrer les. Enfin, c'est un vieux débat que j'aime pas trop aborder sur les salles de cinéma et tout. Donc, oui, il y a ce constat qui est clair et que je ne vais pas rabâcher et rassasier, mais en tout cas, il y a des cases. À côté, il y a toujours des à côté. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé, c'est-à-dire par exemple quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, il y avait un ciné-club chaque vendredi, j'allais voir et à un moment donné on m'avait proposé de programmer des films, donc j'ai commencé à programmer des films et c'est comme ça. Et puis il y a quelques festivals qui sont devenus vraiment des rendez-vous pour les cinéphiles partout en Algérie. Moi j'ai présenté cette année mon film aux Rencontres cinématographiques de Béjaïa. Et qui a un rendez-vous incontournable pour donc il y avait des gens qui venaient de l'est, de l'ouest de l'Algérie, des gens qui venaient de Tlemcen, qui est une ville qui a 700-800 kilomètres pour venir voir des films pendant une semaine, parce qu'il y a tous les films algériens qu'ils voudraient voir. Et enfin voilà, je pense que il y a des problématiques, mais il y a aussi des formes d'utopie naissante, et c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. Comme ces gestes filmiques qui sont des premiers films fragiles faits avec
des désirs, et des, enfin, un désir très fort et une nécessité, il y a aussi des gens qui se battent pour montrer des films et qui font le lien entre les spectateurs et les faiseurs de films. Et ce qui est intéressant aussi à BJS, c'est que il y a vraiment des débats. C'est-à-dire, moi, j'ai eu des qualités d'intervention que je n'ai eu nulle part ailleurs. Sachant que j'ai montré le film un peu partout. Mais il y avait vraiment un débat. Le lendemain matin, on avait pris une matinée comme ça pour discuter du film, un peu comme dans ce dispositif-là. Et puis, il y avait des interventions qui étaient extraordinaires. Donc voilà. Et, dire qu'il n'y a pas de salle de cinéma, ok, il n'y a pas de salle de cinéma, mais il y a aussi le fait qu'il y a quelques jours aussi, enfin, il y a une semaine ou quelque chose comme ça, j'ai présenté le film à Constantine et la salle était remplie de jeunes. C'est la première fois que je voyais une salle de cinéma en Algérie remplie de jeunes et par la suite, il y a eu aussi des qualités d'intervention assez remarquables. Donc voilà, il y a quelque chose à côté de ces films, il y a aussi quelque chose qui commence à naître. Moi, c'est clair, je devais dire la même chose. Officiellement, effectivement, il n'y a pas assez de salles, il n'y a pas assez d'exploitants de salles, il n'y a pas de distribution de films. Il n'y a pas de gens aujourd'hui, dans toutes les jeunes qui font du cinéma en Algérie ou moins jeunes, on ne vit pas de son cinéma, mais il y a un désir de cinéma tellement fort que ça dépasse toutes les contraintes. Et il y a un réseau de ciné-clubs en Algérie. Il y a des ciné-clubs dans une quinzaine de villes. Et les jeunes, par exemple, il y a un circuit que les gens ne connaissent pas, mais que nous, en tout cas, je parle de ça parce que j'ai participé très activement à la naissance de ce réseau de ciné-club. On a monté des formations d'animateurs de ciné-club depuis une quinzaine d'années et on enrichit régulièrement le fond de ces ciné-clubs. Il y a aussi un autre réseau qui est fort, c'est les cités universitaires. Les jeunes regardent des films dans les cités universitaires et projettent des films. Et à chaque fois, ils nous demandent de leur envoyer des films et puis de faire intervenir des cinéastes, etc., etc. Il y a des maisons de jeunes, il y a des centres culturels, certains centres culturels. Enfin, ce n'est pas forcément dans les salles de cinéma que ça se passe, mais ça se passe. Il y a vraiment les gens... Par exemple, quand mes films, par exemple, à chaque fois que je fais un film... L'année qui suit, je fais une centaine de projections dans des villages, des villes, des ciné-clubs, et ça circule très bien parce que les gens ils ont envie de voir des films algériens et un désir fort. Et puis on fait des programmations parfois quand ils me demandent, et on fait des programmations d'autres films, etc., etc. Donc il y a un réseau qui existe, mais c'est un réseau vivant. Voilà, il y a une vitalité autour de ça. Et c'est des gens, comme disait Jamal, d'une très grande cinéphilie et qui regardent des films sur Internet, qui sont très curieux, il y a vraiment une culture vraiment de haut niveau. Voilà. Je suis d'accord. Bonjour. Je voulais d'abord vous remercier. Parce que j'ai eu la chance de voir vos deux films ici à Bruxelles. Donc, j'ai pu voir que ces deux films jusqu'à maintenant. Et donc, j'aimerais bien sûr voir le reste. Donc, merci pour ces deux films. Merci parce que je suis quelqu'un qui aime le cinéma, mais je ne fais pas de cinéma. Je suis quelqu'un qui aime regarder. J'ai fait un petit peu, en fait. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai été vraiment admiratif par ce milieu masculin, ces hommes. Parce que dans les deux films que j'ai vus, il y a les hommes d'aujourd'hui, qu'importe leur âge, dans leur tendresse, dans leur poésie et dans leurs difficultés. Et dans Les Abattoirs, qui est pas loin de mon chez-moi, en fait, je suis passée par là. Tellement de fois, j'ai jamais compris qu'il y avait des gens qui travaillaient, qui y habitaient. Et donc, quand vous avez été avec eux et posé ce regard, pour moi, il y avait une sorte aussi de... Il y avait un respect dans l'image, mais en même temps, une beauté de l'image. Je ne sais pas comment dire, parfois, je regardais le plan et j'avais l'impression que je pouvais regarder, gratter le mur et voir encore plus. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et vraiment, c'est des plans magnifiques. Entre ce match de foot et la bête qu'on essaye de rentrer, et ce vieux qui veut quand même continuer à avoir son foot, et c'est toute la société qui est complexe, vivante, mais qui peut aussi rester résistante,
résistante au temps, résistante aux blessures. Enfin, merci beaucoup. Et j'ai pu être dans ce présent, mais un présent qui s'est déplacé dans un autre espace, l'espace que vous avez créé par votre film. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Et pour le second film que j'ai vu hier soir, heureusement que je suis sortie malgré le froid, mais donc j'ai aussi beaucoup apprécié et être si heureuse d'avoir ces images qui parlent de nous, qui parlent d'aujourd'hui, mais qui parlent de nous, êtres humains. Donc pour moi, il ne s'agit pas seulement de l'Algérie. Il y avait ce silence qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup importé, et à un certain moment, même la parole m'a dérangée, tellement le silence avait une puissance. Et que après, ça devenait même... C'est tellement beau la relation que vous avez pu construire les deux avec ceux qui sont face à vous, parce qu'il y a tellement une confiance, il y a tellement une simplicité à se raconter, alors qu'on sait que c'est dur de se raconter. Surtout ce milieu d'hommes, il n'y a pratiquement pas de femmes, mais on parle des femmes. Les femmes sont là autrement, mais il y a cette réalité que vous n'avez pas voulu transformer. Vous avez comme une sorte d'un agreement, on est d'accord. Elle est femme, tout est femme. Moi, j'ai compris, toi, tu as compris. Et voilà, donc j'ai beaucoup voyagé et questionné, parce que en fait, il y a les questions que posaient les gens, il y a une conscience qui me laissait comprendre que, bon de Dieu, je dois reconnecter. C'est des questions tellement... Ils sont dans une conscience qui m'a donné une alarme positive. Parce que... Voilà, merci. Bonjour. À travers ce qui s'est dit là et ce que je peux connaître du cinéma algérien, je me dis que on part d'une matière qui est différente, qui est très particulière à l'Algérie, mais pas seulement, mais avec son histoire. Mais en même temps, ce que vous posez comme question, c'est des questions de forme. Et en fait, ce que je remarque ici, hein, quelqu'un a dit, auquel se réfère souvent Tariq Tega, la forme, c'est ce qui donne aussi le sens. Bon, et donc, c'est important de relier les deux. Et c'est ce que j'ai trouvé, moi, dans les films que j'ai vus récents. Et entre autres, effectivement, l'arrivée de Tariq Tega sur les écrans mondiaux, on peut dire, c'est une révélation. Hein, avec Rome plutôt que vous, Inland, et puis Révolution Zen, et puis d'autres films. Bon, je m'excuse, je n'ai pas vu vos films, à tous les deux, mais j'ai vu celui d'Assen plusieurs fois. Et je me dis qu'ici, à travers ce que vous avez dit, dans la forme, il y a entre autres le temps, vous le dites, quand vous dites « il travaille aussi », et parce que vous restez avec la scène reste avec les gens, et c'est ce que vous disiez aussi sur vos films apparemment, et sur d'autres films, et dans ce cas-là, il y a une espèce d'égalité qui se fait entre ceux qui sont filmés et ceux qui filment. Alors, égalité relative, hein, parce qu'on n'est pas pareil quand on est dans les abattoirs que quand on est derrière la caméra, mais il n'empêche qu'on ne se met pas au-dessus, et c'est ce qui se tranche avec d'autres cinéastes qui viennent et qui partent, qui n'ont rien à faire des gens, on envoie une carte postale à la limite, ou au producteur, ou à ceux qui sont invités pour se faire réinviter, mais... Et je me dis en même temps que c'est quelque chose qui touche tout le cinéma, parce que c'est les mêmes questions que se posent les cinéastes en France, mais avec une autre matière, qui est votre histoire, qui est notre histoire. Moi, je voulais juste vous dire une chose, parce que je n'ai pas vu malheureusement, mais j'ai vu le tien, j'ai vu d'autres, je connais... Quand je vous écoute parler tous les trois, je me suis dit, ben c'est normal qu'ils savent faire des beaux films, comme ça, avec humains, trucs. Vous êtes des vrais citoyens. Et je suis étonné que personne n'a soulevé cette idée-là. Dans moi, je suis la vieille génération, disons, hein, j'ai vieilli. C'est la notion du jeu. Vous avez tous un regard, un jeu. C'est-à-dire, vous existez en tant que citoyen et vous partagez ce que vous avez envie de partager, c'est leur problème. C'est-à-dire, on aime ou on n'aime pas, mais il se passe des choses. Et
historiquement, c'était les cinéastes Oumma, les cinéastes collectifs. Ça veut dire qu'il y a un thème et on l'aborde, mais le cinéaste peut fumer sa cigarette à côté pendant que les comédiens jouent ou les gens qu'il filme papotent. Et c'est étrange. Et j'ai fait le lien avec Hassan, je parlais hier avec lui, je lui dis, je découvre un romancier qui est né aussi après la guerre d'Algérie, le Kamel Daoud, là, je présume que vous connaissez, là, merveilleux. Et il a abordé ça, il a dit, mais j'existe en tant que je suis un citoyen. Et tout à l'heure, il parlait de lumière, vous faites le cinéma, c'est de la lumière essentiellement, vous êtes des enfants des lumières, au sens universel du terme, vous savez, c'est les lumières qui ont eu la Révolution française, où la citoyenneté existe. Moi, je suis ému, ébloui. Vous êtes en train de faire la vraie politique, au sens grec du terme. Vous êtes des politiciens pour moi. Au-delà de vos films, j'ai vu une matière, bien sûr, un film. Mais je vous écoute, je dis, mais ils sont en train de faire de la politique en Algérie, en usant de la caméra comme une arme, pour parler du jeu, pour parler en tant que citoyen de ce qui les émeut, les abattoirs, ou ceci, ou toi, cela. Et moi, je suis vraiment, j'ai la larme à l'œil. Je me suis dit, enfin, c'est pas ma génération traumatisée, guerre d'Algérie, du coup, je suis obligé de parler au nom de tout le monde. Voilà, et eux parlent à partir d'eux. Voilà, ce gamin-là, cette gamine-là. Je sais pas si vous voyez. Il y a un événement, hein. Parce qu'il y a un écrivain comme ça, un deuxième et tout. Je sais pas, en peinture, Habiba, tu viens en Algérie. Il se passe quelque chose d'énorme après cette période de décennie noire où on était pratiquement sous un gouvernement de barbus, là. Vous en avez trois chats ici qui font du grabuge. L'Algérie était complètement occupée par eux. Et maintenant, j'ai la larme à l'œil. Vous m'impressionnez. Bravo. Continuez. Voilà. Moi, je voudrais abonder un peu dans le sens de Kamel. Il dit c'est des citoyens qui expriment leur jeu. Et pour revenir aussi à la première question de madame, même les jeunes qui sont dans les stades, qui scandent des slogans, ils les travaillent au préalable. En groupe, ils se retrouvent, ils écrivent, ils imaginent. Et entre guillemets, par exemple, le club rival qu'a cité Hassan Le Mouloudia, l'USMA, leurs supporters, d'une tribune à une autre, se répondent. Je le dis en algérien. Vous comprendrez beaucoup de choses, de toute façon. Bouteflika fla poussette, Djibolo la sucette. Bouteflika est dans la poussette, dans le petit chariot là. Ramenez-lui la sucette. C'est comme si c'était un gosse. Ben oui, il est paralysé, il est un peu sur un chariot, quoi. Voilà, depuis 2013. Et on subit ça. Mais ces jeunes-là ne sont pas dupes. Babar Casanova, dont parlait Hassan, vraiment exprime une réalité. La société bouge, les Algériens travaillent, créent, aiment, comme tout le monde. Et je voudrais rebondir sur la visibilité, en fait, des films, des beaux films qui sont faits par ces cinéastes, parce qu'ils ne sont pas très jeunes, je ne dirais pas jeunes cinéastes. Je pense qu'en Égypte, j'ai vu des docs égyptiens, par exemple, excellents, mais qui n'ont pas de visibilité chez eux aussi. En Tunisie, au Maroc, et ça doit être un peu général, même en France, si on fait un petit sondage, connaissez-vous Chris Marker je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, sauf les initiés ou les cinéphiles, connaissent ça. Faut se le dire. Les gens ne sont pas forcément intéressés. Par contre, ce que les films de Hassan, de Jamel et d'autres cinéastes me montrent ma réalité, me montrent un regard réel sur moi. Et c'est ce que j'aime, ce n'est plus le cinéma institutionnalisé. On fait un dossier, on attend l'aval du ministère de la Culture, qu'on nous débloque l'argent. Non, ils y vont. Ils y vont parce qu'ils veulent le faire. Et après, ça se fait avec peu de moyens, mais ça se fait. Et c'est pour ça que ça donne de très, très beaux produits filmiques. Voilà. Merci à vous. Merci, parce que c'est une très bonne transition aussi avec tout ce qui a été dit sur le ressenti des films. Et donc, tu parlais de travail. Voilà, nous, comme spectateurs, on ressent ce que vous avez fait.
Mais évidemment, il y a toute cette construction dont tu parlais tout à l'heure, Hassan. La dame parlait de cette fameuse scène avec les taureaux. Alors peut-être pour ceux qui l'ont pas vue, c'est juste les ouvriers se sont arrêtés le temps d'un match de la Coupe du Monde dans lequel l'Algérie joue. Voilà, Algérie-Allemagne. Ah bon, alors Algérie-Corée du Sud, faut revoir le film. Voilà, la caméra est posée. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette scène et nous raconter comment tu as travaillé pour avoir cette impression de grande surprise du réel, en fait. Alors, dommage pour ceux qui l'ont pas vu. Ils vont essayer de l'imaginer, mais alors c'est dans le film, j'essaie de construire des petites histoires. Hein, c'est des on a tout de suite remarqué que c'était la Coupe du Monde et y avait un engouement et certains ouvriers commençaient à régler la parabole, ramener des câbles, ramener une télévision. Il y avait un événement qui se passait dans toute l'Algérie d'ailleurs, donc il fallait pas rater le match. Et donc on les filme en train de préparer, puis arrive le jour J où il y a ce match Algérie-Corée du Sud. Et comme tout réalisateur, on essaye de chercher sa place dans cet endroit, d'essayer de... J'aime bien la phrase de Bresson que j'avais lue à l'époque dans le note, qui disait « essayer de trouver le plan qui va parler de tous les autres plans ». Donc je me mets en face d'eux, je vois que ça fonctionne pas, latéral pareil, donc on cherche, on fabrique aussi, hein, on essaye des choses, hein, c'est un laboratoire de fabrication aussi le film. Et ensuite je trouve ma place derrière eux ils sont au premier plan, derrière il y a la caméra et ce que j'aime aussi dans le cinéma du réel, c'est cadeaux presque divins qui descendent du ciel et qui sont des cadeaux. Et il y a des hommes qui commencent à pousser un taureau, à le ramener vers eux. Et moi, je le vois, mais je décide, là aussi, c'est un parti pris cinématographique, c'est de ne pas panoter, de se dire, comme disait Jamal, il y a le cadre et il y a un surgissement. Je reste, j'assume, même s'il ne se passera rien, ben, je prends le risque. Et là, il commence à rentrer dans le champ. Et deuxième cadeau, pareil, du cinéma, c'est le but. Il y a un but de l'Algérie. Donc, explosion de joie aussi. C'est l'histoire continue. Puis ensuite, il y a une bagarre. À la fin, il y a une bagarre qui commence entre Youssef et un autre. Moi, j'aime bien aussi, pour parler aussi un peu technique, ce film-là, il travaille avec une seule focale. Pas de zoom, rien. Ça me permet de... Quelque chose, voilà, j'ai une pratique photo, donc ça me permet de... J'ai tout travaillé au 50 mm. C'est une focale qui permet d'avoir des plans larges, mais aussi des plans qui sont serrés. Et du coup, on est comme un boxeur. Des moments où on doit se rapprocher, quand la parole est intime, elle est précieuse et presque secrète, et puis on est beaucoup plus large quand on filme Sadr, des personnages qui est dans ses divagations la nuit dans le... Voilà, ça c'était pour le côté technique aussi. Ouais, et ton engagement aussi, effectivement, c'est dans le fait d'avoir posé tes plans, et on est dans un dispositif très théâtral où c'est des scènes à chaque fois qui nous sont présentées. Donc il y a ce choix aussi qui donne toute cette couleur au film et qui va permettre petit à petit de comprendre toute l'ampleur de la pièce qui se joue à partir de ces scènes séparées, en fait. Et ça, on est tout de suite dedans parce que il y a ce plan d'ouverture qui est un plan où un jeune homme est en train de manipuler une manivelle pour monter les pieds des vaches, les carcasses des vaches, et qui en fait renvoie tout de suite au rideau qui se lève, en fait. Donc il y avait tout de suite quand même cette intention très théâtrale, ou c'est quelque chose que tu as défini au montage, en fait, qui était là un peu dès le début, hein. C'est aussi ma façon de faire. Je
préfère, je privilégie les plans qui sont sur pied et pas sur épaule. Il y a juste un plan dans le film qui est caméra sur épaule, bah, c'est là où ils discutent de la politique. À ce moment-là, je ne pouvais pas me préparer la caméra, donc j'enlève la caméra et puis je fonce filmer cette discussion. Parce qu'il y a comme un... Il se passe quelque chose et il y a un rapport qu'on instaure entre le filmeur et le filmé. On sait à quel moment on peut y aller et puis il y a des moments où ils te disent non, tu ne peux pas y aller. Et ça, c'est aussi tout un travail. Hein. Il y a des limites à ne pas franchir. Et du coup, moi, j'aime beaucoup installer... c'est-à-dire, je vois quand ils sont en train de discuter, j'arrive, je pose mon cadre, doucement, je prends le temps et puis aussi, je me permets de remettre en scène. Si, par exemple, il y a un lieu, une situation qui me plaisait, mais que je n'ai pas pu filmer, je vais essayer de la retravailler dans ma tête et essayer de la reconfigurer le lendemain. C'est arrivé pour l'histoire de Hamo. D'une certaine manière, je n'ai pas de recette préétablie. Mes références, ils sont de côté et on en discutait avec Jamel. Après, c'est le physique, hein, c'est l'intuition et c'est le moment. Je ne pars pas avec un schéma en me disant il faut que j'agisse de telle manière ou telle manière. Ça reste ouvert et même la fiction, entre guillemets, écrite, on y avait pensé, on avait écrit des choses. Je voulais intégrer un comédien, je crois que j'ai bien fait de ne pas le faire aussi dans ce film. Donc, Jamel, toi, tu as travaillé donc avec Hassan sur Dans ma tête un rond-point et au même moment, c'est ça, tu étais en train de travailler sur Atlal. C'est plus ou moins les mêmes temporalités. Quand le film de Hassan était bouclé et qu'il avait commencé la post-production du film, moi, j'étais sur mon tournage. Toi, tu étais sur ton tournage. Oui, j'avais commencé à tourner la première partie du film. Ouais. Et donc, ce qui frappe dans Atlal, c'est plus le rythme du récit. On est toujours dans des scènes, des contrastes entre les scènes, entre le jour, la nuit, les groupes de jeunes, l'individualité, enfin les personnes plus isolées de générations autres. Est-ce que toi, tu as été plus dans un film de montage avec Atlal, ou est-ce que vraiment tu as trouvé ta narration au moment du montage, ton écriture au moment du montage, ou comme Hassan, tu avais déjà une idée très arrêtée. Un peu des deux, en fait. Moi, j'aime beaucoup me retrouver seul au montage, et regarder mes images, les analyser, tout ça. Et au tournage, il y a énormément de choses que je n'avais pas anticipées, écrites, pensées, imaginées, qui se retrouvent sur lesquelles je me cogne et qui me paraissent vraiment importants, quoi. Genre, par exemple, quand je rencontre Abdou, j'avais pas du tout imaginé le fait que je vais rencontrer un jeune rappeur à Oulad Al-Lal. Même si j'allais faire des repérages ou des choses comme ça, ça ne viendrait pas tout de suite. Mais le fait de passer du temps, de discuter avec les gens, à un moment donné, on te dit, viens avec nous. Il y a une autre partie que tu peux pas imaginer. Et c'est là où il y a eu quand même, moi j'avais, par exemple, j'avais pensé au départ que voilà, le film serait construit sur des dualités, un peu présence-absence, entre voilà, les ruines et les nouvelles constructions, les êtres qui sont là, vivants, debout, et donc silence-parole, nuit et jour, des choses comme ça. Et puis à un moment donné, il y a des choses qui font qu'on glisse, en fait. Donc par exemple, quand j'ai rencontré Abdou, et les jeunes rappeurs, donc voilà, j'adorais me retrouver la nuit autour de ce feu. Je trouvais ça hyper cinématographique, la lumière qui va, qui vient, le son du crépitement, et puis il y a un silence tout autour, il y a juste eux. Et puis cette manière aussi de se réapproprier à un territoire qui, au départ, peut être fonctionnel. C'est-à-dire, on y vit, et puis le soir, autour d'un feu, on réinvente quelque chose, on fait de la musique, on discute, on pense son quotidien, on se distancie par rapport à ce qu'on vit. Et tout ça m'avait énormément intéressé. Et puis, donc voilà, j'adorais déjà être avec eux à ce moment-là, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à filmer, et quelque chose s'est déclenché autour de ça, autour de la musique, par exemple, que j'avais pas forcément... écrit et pensé, mais il y a quelque chose autour de la musique dans le film qui est hyper importante. Et là, par contre,
là, au montage, ouais, ça m'a. Quand quelque chose se révèle, je prends tout le temps au montage pour construire quelque chose autour de ça. Il y a une question, en tout cas très forte, qui pourrait se poser pour qui se pose pour vos deux films, parce que c'est quand même des premiers longs métrages. C'est la question de l'accompagnement. Ce qui est très marquant, c'est en Algérie, pour le moment, il n'y a pas d'école de cinéma, il y a une école technique de cinéma. Et c'est vrai que Habiba, toi, tu as pris cette place-là, la volonté de transmission et la volonté de donner des outils à toute une nouvelle génération de cinéastes ou de futurs cinéastes pour parler de leur réalité, de leur point de vue, de leur regard sur le monde. Donc, tu as créé plusieurs formations, notamment Béjaïa Doc, qui est une formation un peu type Atelier Varan, donc un an de formation documentaire. Voilà, comment y avait vraiment cette urgence, ce besoin de transmettre et cette problématique qui était... Jamel, il a étudié au Maroc. Hassan, tu as fait des formations courtes. Voilà, donc comment tu as travaillé pour vraiment transmettre ce cinéma et peut-être qu'on n'aura pas le temps de regarder en entier un court-métrage, mais peut-être les cinq premières minutes de J'ai habité l'absence de foi, qui est un film qui a été réalisé dans le cadre de Béjaïa Doc et qui parle de la réalité de la réalisatrice et de son histoire hyper individuelle pour ouvrir à une histoire tout à fait universelle de ce que c'est que être cette jeune femme aujourd'hui en Algérie. Donc voilà, quel était un peu l'enjeu avec cette formation ? Oui, alors l'histoire de Béjaïa Doc, c'est une histoire qui est aussi liée à l'histoire de L'être à ma sœur. En fait, quand j'étais en train de réaliser L'être à ma sœur, j'ai commencé en fait à écrire et à réaliser à peu près en 99-2000. Et en même temps, j'étais en train de me former, bien sûr, au cinéma. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait connaître les ateliers Varan. Et donc, j'ai commencé à aller voir les ateliers Varan, à voir comment ça se passe. J'ai jamais fait atelier Varan, moi-même. C'était juste par amitié qui m'ont permis d'aller voir leur méthode de travail, etc. Et pendant que j'étais en train de faire les repérages et de commencer à tourner mon film en 2002-2003, je commençais à faire les premières images. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent on ne se reconnaît pas dans les images qui sont fabriquées sur nous, on se reconnaît pas dans les films qu'on voit, il s'agit pas de nous. Et donc j'ai compris qu'il y avait un problème de représentation de soi, et il y avait un problème aussi il y avait un désir de cinéma qui était très fort exprimé de la part de beaucoup de jeunes. Et là je décide vraiment de manière vraiment c'était carrément une aventure de façon totalement téméraire, sans avoir absolument aucun moyen ni savoir. À ce moment-là, j'étais exilée en France, hein, donc je faisais des allers-retours à partir de 2000, mais avant, pendant 4-5 ans, j'étais même pas rentrée en Algérie, donc j'étais dans une situation un peu d'exil. Et là, je commençais à rentrer avec l'idée de non seulement de faire mon film, de monter un événement cinématographique, mais je savais pas exactement lequel. Et en même temps, de se dire, mais si je lance un événement cinématographique, il n'est pas question que j'en lance un sans qu'il y ait un travail de formation qui soit à l'intérieur de cet événement et qui puisse donner la possibilité à des jeunes de recommencer à s'intéresser au cinéma et à comprendre le langage du cinéma. Et donc, j'ai essayé donc de monter en même temps les rencontres cinématographiques de Béjaïa et les ateliers. Ça n'a pas du tout fonctionné comme ça, parce que pour un atelier, il faut beaucoup d'argent. Il faut du matériel, il faut des caméras, des bandes de montage, etc. Payer des formateurs, des formatrices, etc., etc. Et donc, on a monté les rencontres cinématographiques de Béjaïa avec des formations en éducation à l'image. Je me suis dit, voilà, ça commence comme ça.
Ça commence avec des cycles de formation de 2-3 semaines d'éducation à l'image où on regarde des dizaines de films en les analysant, en réfléchissant dessus, etc. Et c'est à l'intérieur de ça, donc j'ai été déléguée générale des rencontres cinématographiques pendant 5 ans. Donc j'ai quitté en 2006, fin 2006. Donc j'avais aussi animé la session de 2006. Et pendant toutes ces années-là, c'est-à-dire 2003, 2004, 2005, 2006, j'étais en train de chercher de l'argent pour les ateliers. Donc, et trouver des partenaires pour les ateliers, pour monter les ateliers à Béjaïa. Et dès que j'ai pu monter quelque chose, une première chose, j'ai quitté les rencontres cinématographiques de Béjaïa et j'ai monté Béjaïa Doc. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les personnes qui ont fait partie de la première session, de la première promotion de Béjaïa Doc, c'était des personnes que j'ai rencontrées tout le long du tournage Lettre à ma sœur, des personnes qui étaient impliquées dans les rencontres cinématographiques et qui tout le temps m'interpellaient sur l'idée, oui, et nous, quand est-ce qu'on va créer des images sur nous? J'ai dit, à un moment donné, je me suis arrêtée, je les ai regardées, j'ai dit, voilà, l'occasion se présente. Maintenant, vous allez venir faire votre propre film. Ah, ils m'ont regardé comme ça, mais on ne sait pas faire des films. J'ai dit, c'est pour... Voilà, maintenant, on commence, ça va durer un an. Et du coup, la première promotion des rencontres de Béjaïa Doc s'est faite un peu à l'arrache, avec très peu de moyens, avec une caméra et un banc de montage, avec trois formateurs, formatrices qui sont venus à la rescousse. Donc, personne n'était payé. On a fait ça vraiment avec nos propres moyens. Mais on avait quand même ce matériel. Donc, ça s'est fait comme ça. Et l'année d'après... On a tout fait pour d'installer quelque chose de beaucoup plus structuré, c'est-à-dire lancer un appel à candidature, mettre en place vraiment, acheter un deuxième banc de montage, acheter une deuxième caméra, trouver d'autres partenaires, etc., etc. Donc ça s'est fait très progressivement, et puis c'est quelque chose qui s'est installé assez vite, puisque aujourd'hui je peux dire Béjaïa Doc a duré pendant 5 ans. Il y a eu 35 films, 35 courts-métrages documentaires, dont une quinzaine ont vraiment circulé dans beaucoup de festivals internationaux et en Algérie. Pas mal d'entre eux ont été primés. Et la majorité des personnes formées dans Béjaïa Doc sont aujourd'hui dans le musée du cinéma. C'est-à-dire, ils sont soit techniciens, soit réalisateurs, assistants, producteurs, etc., etc. Il y en a beaucoup qui sont vraiment dans le circuit, vous les rencontrez d'ailleurs souvent. Et donc, ils sont là, ils sont présents, ils font partie de ce paysage-là. Voilà. Et là, je me suis arrêtée 3 ans parce que j'avais un livre à écrire et aussi un film à faire. Et là, j'ai repris. Donc, depuis cette année, depuis quelques mois, j'ai repris une formation dans le même style, c'est-à-dire vraiment une formation en documentaire, donc où j'accompagne 7 projets de films qui vont être fabriqués dans un an. Sauf que cette fois-ci, peut-être avec l'expérience, avec tout le travail qui a été fait avant, avec toutes les erreurs qui ont été faites, et aussi les succès, parce qu'on s'appuie aussi sur les choses qui ont marché. La formation théorique est beaucoup plus approfondie. Parce que je pense aussi, il faut quand même qu'il y ait un bagage théorique un peu plus conséquent. Ça permet aussi de construire une réflexion, quelque chose en termes d'écriture et de réflexion autour du cinéma et autour du cinéma du réel, un peu plus approfondi. Même si, je dois dire que ce qui m'intéressait aussi dans l'expérience Béjaïa Doc, c'est ce premier, enfin, vraiment, hein, c'est ce qui m'a intéressé le plus, hein, je pense. C'est le fait que j'ai eu des stagiaires qui sont très loin du monde du cinéma, qui n'ont jamais fait de film, qui n'ont jamais presque fait de photos, qui n'ont pas forcément une culture cinématographique et qui sont vraiment loin. Il y a un taxieur, il y a un médecin, un chauffeur de bus, des gens vraiment qui sont loin de ce monde-là, mais qui, par le regard qu'ils posent,
vont fabriquer quelque chose de nouveau et d'intéressant. Et donc, et ce travail-là sur, qu'est-ce qu'on veut, comment on voit, ce qu'on voit et comment on fabrique de l'image m'intéresse énormément. Et ce premier regard était très, vraiment intéressant. C'est la seule chose qui était imposée dans tout le travail de Béja Yadok, parce que chaque film est différent de l'autre. Il n'y a pas un style Béja Yadok du tout. Tous les films sont très, très différents. C'est que les personnes parlent de leur milieu, de ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire comment on reconstruit du regard par rapport à notre réel. Et comment le cinéma permet justement cette reconstruction du réel à partir de ce qu'on peut y amener en tant qu'auteur et en tant que regard. Voilà. Donc ça s'est construit comme ça. Là, je fais un truc très court et un peu linéaire. Ouais. Non, bah justement, du coup, quand tu parles de Béja Yadok, je me demande à quel moment, puisque c'est des gens qui ne viennent pas forcément du milieu du cinéma, qui n'ont pas eu cette formation, qui viennent avec une idée forte de parler de leur milieu, à quel moment tu introduis cette question du langage cinématographique et à quel moment vous réfléchissez sur la forme que le film va prendre ? Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on le fait depuis le début. C'est-à-dire que vraiment, la formation théorique va au même temps que l'écriture. C'est-à-dire, c'est vrai, les matinées, il y a une formation théorique, l'après-midi, il y a déjà de l'écriture, mais de l'écriture collective. Donc, il y a vraiment un travail sur non seulement les thématiques, mais sur une prise de conscience de ce qu'on voit et de comment on a envie de le voir, comment on a envie de le construire. Et voilà, donc après, la formation est basée sur une idée simple, c'est qu'on va faire un film parce qu'on s'intéresse à notre réel et on va chercher quelque chose. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche de recherche. Et donc, pendant un an, les personnes apprennent à faire un film en faisant un film. C'est-à-dire, on n'apprend pas tout au départ, on apprend au fur et à mesure tous les principes du cinéma. Mais c'est comme une sorte de laboratoire, une fabrique, où les stagiaires apprennent à faire un film en le faisant. Et en se posant les questions en faisant du cinéma. C'est-à-dire que les questions se posent dans la pratique. Voilà, donc ça se pose au moment du tournage, l'écriture, ça se pose au moment du tournage, ça se pose au moment du montage. Tout ça se réfléchit au fur et à mesure que le film se fabrique. Et bien sûr, on réfléchit beaucoup la place de l'auteur, la question du point de vue, la question de comment on construit le dispositif, et aussi le rapport à l'autre. C'est-à-dire, la formation est basée sur un principe éthique fondamental, le respect des autres, le respect de ce qu'on filme, et aussi être à la hauteur de ce qu'on filme. C'est-à-dire, voilà. Ne pas prendre les gens de haut, mais les regarder à cette même hauteur qui permet justement de... C'est pas parce qu'on a une caméra qu'on est au-dessus des gens. Et qu'au contraire, les gens qui sont en face, c'est eux qui vont nous permettre de faire le film. Aussi parce qu'ils nous offrent une possibilité de les filmer. Donc ça se construit aussi avec le réel. Voilà, donc tout ça, c'est des... Voilà. Bien sûr, tout ça s'appuie sur un travail théorique fort... Voilà, qui va se faire tout au long de la formation. Ça dure un an. Varan, ça dure 3 mois. Nous, ça dure quand même un an, donc c'est long. Et j'ai choisi cette formule parce qu'on n'a pas d'école de cinéma. Si on avait une école de cinéma en Algérie, je pense qu'on pourrait faire des ateliers de 3 mois. Parce qu'il faut le temps d'assimiler tout ça, le temps de comprendre, de faire des erreurs, de faire des expériences. Par exemple, je donne un exemple simple, c'est que, par exemple, dès que quand le scénario est écrit, le scénario documentaire, c'est pas le même que le scénario, il n'y a pas intérieur, jour, extérieur, nuit, c'est plutôt quelles sont les situations qu'on va filmer et comment on place la caméra, quelle est notre place à l'intérieur du dispositif. C'est sur ça l'écriture du documentaire, c'est ça qu'on essaie de régler avant d'aller en tournage. Et quand les personnes vont en tournage, elles peuvent rater leur tournage. Donc nous, on leur donne la possibilité de refaire le tournage. Et avec, bien sûr, tout en analysant les images, en comprenant ce qu'il y a dans les images, en assimilant bien tout ce processus, quoi. Donc il y a vraiment un travail concret, un travail pédagogique concret. Voilà. Du coup, ça me fait penser, parce qu'on n'a pas arrêté de vous dire à quel point vos films étaient formidables, exceptionnels et brillants, et voilà, ce qu'ils sont, tout à fait. Et en même temps, c'est des premiers films, donc moi, justement, par rapport à tout ce que dit Habiba, je me demandais, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience ? Est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui vous a... est-ce qu'il y a des choses qui vous ont... travailler ou qui n'ont pas fonctionné comme vous auriez voulu, et au final, nous, on l'a pas perçu comme spectatrice, mais voilà, quel chemin vous avez fait
avec ce film, qu'est-ce que vous éventuellement vous ne referiez pas, mais ça peut être aussi sur la production, ou est-ce que vous êtes vraiment tout à fait satisfait, et ça peut être la réponse. C'est une question encore un peu difficile. Bon, déjà, j'ai gagné un peu d'argent, j'en avais besoin. Ouais. Ça, c'était bien. Il y a toujours ces questions-là qui sont que se pose un documentariste une fois qu'il part d'un lieu. Comment tu fais la suite? Donc toi, tu pars, mais eux restent dans cet endroit. Donc ça, c'est des questions que tu essaies de régler aussi avec toi-même. Ensuite, ça donne envie de continuer à faire des films. Et de rester dans une complexité quand on filme les gens. Je crois que j'ai répondu un peu à ta question. Il y a énormément de questions qui... En fait, moi, par exemple, j'ai revu mon film dernièrement dans un territoire neutre à Vienne. Et oui, en fait, je vois beaucoup de... Enfin, je pense que le film n'est pas du tout perçu pour un spectateur qui le découvre, mais moi, je vois énormément de ratages, de choses... Enfin, voilà. Du coup, il y a énormément de choses qui viennent... Non, pas sans aucun regret, mais pour qu'ils viennent questionner une pratique, pour travailler un peu plus, ça ou ça. Et donc voilà, par exemple, moi je me suis dit que je vais faire des exercices de caméra pour les panneaux, pour des choses comme ça, quoi. Il y a énormément de choses de cet ordre-là qui sont... que peut-être qu'on n'y fait pas attention, mais qui vont nourrir. Puis il y a aussi tous les questionnements sur... ce que Habiba a dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on représente, pourquoi on le représente. Toutes ces questions-là, en fait, elles ne sont pas résolues avec un film, mais au contraire, elles s'accentuent et elles se deviennent beaucoup plus denses et beaucoup plus... comment dire? C'est-à-dire la recherche s'agrandit de plus en plus, avec un film, et puis un second, je pense que ça, tous ces questionnements vont se densifier, et c'est probablement ça qui va alimenter les films. Tu as appris que tu étais cinéaste, en fait. C'est ça. Ben, je sais pas, mais dans un sens, peut-être, ouais. Merci beaucoup, Pauline, pour ton invitation, et merci pour tout. Voilà, ben, je crois qu'il y avait vraiment de quoi réfléchir. Merci.